m'appelle Thomas Barr, j'ai 42 ans. Je viens de reprendre une entreprise, donc Pousse Occitane, maintenant, dont le but est de produire du plan de légumes, plan aromatique et plan de fruits rouges. L'objectif, c'est de servir les maraîchers d'un côté et le particulier de l'autre. Moi, je viens du secteur aéronautique. Je me suis reconverti dans l'agriculture parce que, pour plusieurs choses, j'avais fait le tour de tout ce qui était travail de bureau, de gestion de projet, etc. Et je voulais passer à quelque chose de plus concret. Ce qui m'a amené vers l'agricole, c'est la multiplicité des fonctions, toucher à la fois au végétal, mais aussi à la gestion d'entreprise, aussi à la finance, aussi au commercial. Et tout ça avec une idée noble un petit peu derrière, qui était celle de, dans le cadre du plan potager, d'aider les gens à gagner plus d'autonomie, à être maître chez eux de ce qu'ils mangent, avec la traçabilité qu'il faut, etc. Depuis un moment, je voulais changer de vie, donc finalement, j'ai essayé de regarder ce qui existait comme exploitation à vendre, et je suis tombé très vite sur le site de la SAFER. Donc, je suis rentré en contact avec Monsieur Calmette, hein, de la SAFER, et on a visité plusieurs choses ensemble, dont l'exploitation anciennement Europlan. Ça a pris à peu près un peu plus d'un an pour que le dossier soit complètement construit et qu'on passe à l'acte. Pierre-Yves Calmette, je suis au service propriété rurale de la SAFER Occitanie. J'interviens sur le Tarn-et-Garonne en collaboration avec les conseillers de secteur et mon assistante Myriam Tabarly. Voilà. En avril 2019, on a commencé une première visite. Et puis de fil en aiguille, le site lui a plu, lui a convenu. Et de là, on est rentré dans un process d'accompagnement. Et donc là, je suis content parce que le site a l'air de fonctionner correctement. Monsieur Barr est ravi, moi aussi, parce que je trouve que c'est un projet, il faut être courageux, hein, c'est quand même un bel outil. Et donc l'enjeu était de taille pour lui. Et je trouve qu'il s'en tire fort bien et moi je suis content de participer à la reprise et à la transition d'outils, voilà, sur le département. Comité technique et les collègues, on a bien bossé pour arriver à trouver une solution à cette propriété. Voilà.